Alors, comme promis, je m'attaque à ma petite série de vidéos destinées aux étudiants, aux jeunes diplômés, mais pourquoi pas également à des gens qui sont en quête d'épanouissement professionnel, pour parler de votre propre marketing, ce qu'on appelle communément le marketing de soi ou le marketing personnel. Première vidéo me semblait quand même, c'était très important pour moi de vous parler de l'utilité. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Écoutez, le marketing de soi, en fait, va vous aider, va vous donner ce bon réflexe de réfléchir où vous souhaitez aller. Quelles sont vos ambitions? Mais qui êtes-vous réellement? Est-ce qu'avec ce que vous avez aujourd'hui, vous pouvez atteindre vos ambitions, vos objectifs ou pas? Ou bien faudra-t-il faire autre chose? Qui êtes-vous? En quoi êtes-vous différent? Donc réellement, c'est un travail qui va vous permettre de vous démarquer, d'être unique et donc de savoir réellement comment il faudra vous présenter et communiquer. Le marketing de soi demande de mettre en place une stratégie, tout comme le marketing de produits. Eh bien, pareil, il faudra qu'on sache par où passer, quels sont les chemins à emprunter pour atteindre vos objectifs, mais également de surveiller et à chaque bouleversement, chamboulement dans votre vie privée ou professionnelle, voir comment faudra réajuster et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà, si vous trouvez l'idée bonne, si vous pensez que ça peut vous apporter quelque chose, je vous invite à me suivre au fil de ces vidéos. Nous allons voir ensemble comment on peut améliorer notre marketing personnel et travailler ce qu'on appelle votre personal branding pour être unique et reconnaissable et bien différent des autres. À bientôt!